Salut à tous les amis, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur la ferme industrielle. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. Alors aujourd'hui au programme... Oh non, je devais finir ça en vidéo. Non, ce n'est pas fini. Bon bah go. J'ai oublié de finir ma moisson. Par contre j'ai un problème. Comment ça se fait que j'ai jamais la terre, je m'en... Non. Bon bah du coup on va finir ça en vitesse. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. On va essayer de finir ça en vitesse. J'espère que je vais pas avoir besoin de faire d'accélérer. Je ne pense pas. Et après, on va aller faire un petit tour au niveau des animaux aussi. Et là, je suis à zéro. Ah, j'avais peut-être emmené, ma benne à la ferme pour la vider sans doute. On va falloir la chercher. Parce que là, on va pas pouvoir tout mettre dans la moisson. Ça risque d'être un peu compliqué. Bon, ça va aller vite à finir. On a un peu de temps. On peut pas mettre d'accélérer pour ça. Ça ne sert à rien. Aujourd'hui, on va pas faire grand chose. Évidemment. On va surtout aller voir un petit peu les animaux où ça en est. On voit aussi parce que je voulais mettre des jolis. Tenter des jolis blés. Nouveau argent, ça va monter une blinde. Donc on va voir, on va essayer de les mettre vraiment à la dernière minute, histoire d'avoir un maximum d'argent pour en mettre le maximum. Donc on va voir ça après. Après je pense pas qu'on va les mettre aujourd'hui. Je pense qu'on a encore le temps. Ah, on est au mois de novembre. Le mois de novembre, donc je sais pas. On va aller voir ça. J'ai même pas allumé mes gyrophares. Bon les amis, je suis impatient, Demain, construction simulator qui sort. Je suis pressé. Comme jamais. Bon forcément il n'y aura pas une vidéo demain dessus. Mais peut-être jeudi. Tout dépend du temps d'installation du jour. Normalement ça. Après oui c'est pareil. Tout dépend si avec le travail j'ai le temps de faire une vidéo. Alors, j'espère avoir le temps de faire une vidéo de construction pour cette semaine. Au moins celle de mercredi. Après celle de... Non, celle de jeudi. Parce que celle de samedi, je sais que j'aurai le temps de la faire. Au pire des cas, samedi je travaille pas. Au pire j'en ferai dans la gourde. Ça tirera plus tard, mais... Non, je peux la faire vendredi. Vendredi je suis du matin. Donc je vais tout faire pour essayer de faire la vidéo pour jeudi. Oh ça va être plein. Ça va être plein. On va aller chercher la benne avec le tracteur. Ça va aller chercher une benne à vélo. Ça va être un peu compliqué. Et hop, là, tu t'arrêtes. Mon tracteur, lui, il est là. Le petit gyro, tac. En vrai, je suis vraiment dégoûté de d'avoir oublié de planter le champ de blé que je vous ai parlé le dernier. Même si on a pas mal de blé, pas mal de paille. On va être obligé de sacrifier le champ. Parce que j'ai réfléchi, je pense qu'on va faire moitié olive. Déjà commencer par moitié olive. On voit ce nouveau rendement, il est vraiment bien. Parce que le champ est assez grand. Et si on est bien, on fait l'autre moitié en raisin. Ça, on pourra faire de l'huile de raisin et de l'huile d'olive. On sera bien. Mais tout dépend si avec la moitié du champ, on arrive à tenir toute la saison. Et ça, j'ai un doute. Après, c'est vrai que le champ est assez grand. Donc c'est faisable. Normalement.
De toute façon, l'huile, l'olive, et ben, on est mort. On est mort. On peut pas planter de l'huile, on peut pas planter de... Ok. Du coup, on a 3 mois, 4 mois, pour récolter un maximum d'argent pour là. Sachant que l'on se peut faire, on va rien avoir. Si on va avoir du soja. Le soja, il y a un bon prix, par contre. Ah non. Il y a 5 minutes de moitié de temps. Donc on va attendre un an pour les vendre. Ok. On va attendre. Sachant qu'on a pas mal de soja, donc je pense que quand on le vendra à moitié de temps, on aura une très 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 grosse somme d'argent. Ça c'est sûr. Enfin, au pire, ce qu'on fait, c'est que... Enfin, il va falloir qu'on reprépare ces champs-là dans le prochain épisode. On replante en soja. Là, on va faire énormément de soja pour avoir un maximum d'argent. Ah, peut-être faire aussi un champ... Ouais, non, vas-y, garder... Je vais dire qu'il va peut-être y avoir un petit peu d'ensilage. Donc si on va faire un ensilage d'herbe, c'est pas gênant. Non, on va garder, ouais, les champs, on va pas planter de maïs. Je voulais planter une maïs pour faire mes ensilages. Le problème, c'est que le soja, ça nous rapporte pas mal d'argent. Donc si on peut en faire, ça serait... Mais attendez. Comme là, on peut pas planter de maïs. Ni de raisin. Est-ce que vous ne pensez pas du soja dans le grand champ qu'on a au fond? On aurait vraiment un très très gros rendement qui fait qu'on aura énormément d'argent pour pouvoir planter nos olives et nos raisins. On pourra planter, je pense, les olives. Je pense que ça pourrait être pas mal. Ça, on a 3 champs. Ça nous fait 3 champs de soja. Alors on a fait ça. Et après, bah, on plante olive et raisin. Et on va faire ça. Je pense qu'on peut être pas mal en faisant ça. Au moins, avoir beaucoup d'argent. Sachant qu'on a les usines entre eux aussi. Bon, allez, hop, ça c'est fini. On n'en parle plus. Un bon coup de karcher là-dessus, mais je crois qu'il est pas mis. Donc ça va attendre. Ah si, c'était le... Qu'est-ce que je voulais acheter aussi? Je voulais plomber les champs, voir si sur cette map-là ça marche. Je voulais check sur Wall Street. Non, si Wall Street, je crois que ça marche pas. On ramène tout ça à la ferme et après on va faire le tour des poules, des moutons et des vaches. Pour voir ce que ça donne. Bah, de toute façon, je pense qu'on va pouvoir avancer le temps aussi, hein, puisque ah ouais, mais non, le soja il se prend tellement tard. Non, autant qu'on pense le raisin et l'olive avant. Le soja il se prend encore un peu au mois d'avril. Donc ça sert à rien. Vaut mieux qu'on fasse du coup raisin. Ouais. On n'a pas le choix. Après, d'ici là, je pense qu'on aura pas mal d'argent. Parce que niveau laine, on sera, je pense, pas mal. On aura peut-être des vêtements. Oh! Il était temps de finir. Non plus. Là, je vais encore tout éclater. Voilà. Ça passe pas du tout ici. J'éclate tous les panneaux. Après, on a ce champ-là aussi. Ici, il va être pratique. Je vais faire olive et raisin. Quelque chose de pratique. Là, avec tous les arbres et tout, puis à chaque côté, j'ai peur qu'il... Ouais, c'est grand. C'est un très grand champ. Ah, je sais. Celui qu'on a là-bas, il est énorme aussi.
L'avantage, c'est qu'on pourrait faire les deux dans le même champ, je pense. Donc, on va voir. Bon, on va aller chercher la benne, on la ramène à la ferme. Et après, direction les vaches. On éteint les petits gyros. Ah, on a 13 tonnes ici. On a 13 tonnes et on a combien en stock? On a 33. 36. On a 46 tonnes de soja. Alors si on le vend à 5 000 euros, on a vite mis à 46. 50, 100. 100, 200, 250 000 euros. Ah, c'est pas énorme. Je m'en rajoutais un peu plus. C'est pas ouf. Bah, si. C'est ouf du sens où on va gagner quand même 250 000 euros juste avec ce là. Alors, imaginez si on les fait tous. 250 000, sachant qu'on a déjà 140 000 euros. Là, ça peut être intéressant, ça va nous faire 400 000 euros à dépenser. Pas à dépenser. Voilà. On n'est pas obligé de dépenser dès qu'on a de l'argent. Bon, voilà. Alors, allons voir nos vaches. Ah, j'ai pas mis de. Hop. Allons voir nos petites vaches. Comment ça va? Il y a encore à manger, il y a encore la paille. On n'a pas bien encore. Je pense pas. Non. De toute façon, ils ont que 3 mois. Niveau nourriture, on pourrait peut-être faire une petite mélangeuse. Après, j'achète un petit tracteur pour mettre ici. Non, il faudrait juste que j'en ai une autre, c'est l'autre qui me sort. Si l'autre on s'en sert. On s'en sert pour les bottes. Bon, on va pas plus loin après ça. Je sais pas si on peut prendre la mélangeuse avec. On va essayer. Ah, elle est pleine en plus. Alors, si ça se prend, les tons de livre, ça touche le sol. Alors, niveau réalité, on est à 0. Hein, là, on est un poussé de rond, on est à moins de 10 000. C'est pas du tout réaliste. Mais bon, c'est pour dépanner. On aura les moyens pour pouvoir se mettre à chien, peut-être. Ça va passer. Donc, hein. Mais ouais, ça passe, mais léger. Hein. Enfin, ça passe plus. Ah, c'est les plaques de béton qui gênent. D'accord. Non, on va pas se mettre. Je m'embête tout ça pour ça. J'ai mis 2000 dedans. On n'a rien mis du tout. Là, ça va pas passer. Là, ça ne va pas passer. Pas sûr. Eh bah, si, c'est passé. J'aurais pas pensé. On va regarder niveau paille aussi, pareil. Ah, c'est chaud quand même, notre affaire. Mais je suis bête, il y a peut-être un tracteur en promo. Attendez. Ah bon, on a un gilet. 66 000 euros, hein, on prend. Tant pour ce qui va nous servir. Tant pis, on va perdre un peu d'argent, mais. Ah ouais, mais non. Attendez. Le problème, c'est que si on fait ça, on ne peut pas vendre notre soja avant novembre. Non, avant septembre. Maintenant, il faut qu'on garde l'argent pour l'olive et le raisin. Ça, hop, on est bon. Niveau paille, on est très bien, on est au top même.
Maintenant, niveau usine, on est comment? Là, on a une paire de vêtements. Ici, on a encore de la laine. Ici, on a encore du tissu. Là, on a ça, ok. Là, on a ça. Niveau nourriture, du coup, on va remettre une botte. Là, on va remettre du blé. Alors, une botte d'herbe. Dans ce cas-là, c'est là. On va reprendre une seule. D'ailleurs, il faudrait que je récupère ma masse. Après, on charge tout sur le plateau. On va la remettre un petit peu dans le même temps. Comme ça, on est bon. Ça, c'est fini. Du blé pour les poules. On ramasse les palettes. Et puis, on va être bien pour aujourd'hui. En fait, les palettes, ça va être rapide. En soi, on n'a pas grand-chose à faire. Ok. Alors maintenant notre plateau. D'ailleurs, pas une ange, c'est vrai que j'ai mis en. Et on devrait avoir de la farine. J'ai tout mis en distribution, moi. Attendez. Le pain est en stockage. Ok, le pain est en stockage. En stockage, pour l'instant, il n'y a rien. Bon, notre palette qui est là. Il est là. Et on ramasse les œufs, la laine et les vêtements. Vraiment, en fait, attendez, les vêtements, peut-être encore les bons. Un bon coup. Vêtements, vêtements, vêtements. 31 000. Ah ouais, on vend directement les vêtements. On va pas s'embêter, on les vend directement. Ça nous fait 30 000 euros. Bah, limite, ce qui nous permettrait, du coup, d'acheter notre jeune bière. Sans l'achetant. Ouais, on va l'acheter, du coup. On le prend en standard, de toute façon. Hop, tac. On aura dépensé que 30 000 euros. Enfin, 36 000. Et d'ici, l'hiver, avec les vêtements et tout, je pense qu'on devrait être rentable. Au pire, on a des œufs, on pourrait y aller. Maintenant, on a plus d'œufs, on peut y aller. On a fait besoin d'œufs pour le pain. Non, il n'y a pas besoin d'œufs pour le pain. Je crois pas. C'est quel qui donne le plus? Station de vente, ok. C'est celle-là. Trente et un mille 327 euros en plus. Et maintenant, direction des moutons. Et les sapins, on va faire un petit pouce. Hein. Les petits, ils ont commencé à bien pousser. D'ailleurs, ouais, c'est l'éclairage de la moutonne. Bon, ça va, on a le dépalé. Hein. Ça va être rapide. Ça va être rapide. Ouais, bon, en fait, attendez, mais en vrai, le plateau, il va nous servir à rien, c'est ça, je mets ça directement à l'outil. Ah ouais.
m'ont fait traverser toute la cour. Mais bon, mon plateau, il n'y a pas très loin à aller. Bon, en fait, dans le plateau, on va pas en avoir besoin. Au final. Après, on prend la palette d'œufs. Et les œufs, si on n'en a pas besoin pour le pain, on va commencer à en avoir beaucoup. Sauf si j'ai fait une bêtise et que j'ai mis dans l'usine. J'espère pas. On va juste vérifier quand même avant. Est-ce qu'on a des œufs? Non, on a que 5000 d'œufs. Par contre, t'as des pommes d'œufs. Oh non! J'ai 25 tonnes d'œufs qui sont dans mon truc. Ça, c'est dommage qu'on puisse pas récupérer aussi. J'ai 25 tonnes d'œufs. Ça faisait beaucoup. Pourquoi j'ai été mettre les œufs? Ou alors, tant pis, on lance les gâteaux. Le seul problème, c'est qu'il faut qu'on ajoute du sucre. Pour lancer la fabrication de gâteaux. Alors, c'est faisable, c'est rien, on peut pas bien. On va pas bien pour les gâteaux. À moins que je puisse mettre en vente les œufs. Mais je pense pas. Je pense pas qu'on puisse les vendre directement comme ça. Maintenant qu'ils sont à l'usine. Pas que non, mais c'est derrière. Bon, on va essayer, on va voir. À mon avis, non, on peut pas vendre, mais non, on va rien faire. C'est dommage. C'est 25 tonnes d'œufs, avec un prix en plus. Ah ouais, on est en septembre. Non, on est en octobre. On aurait été bien. Ouais, on aurait été. Dommage. Bon, là, c'est pareil, on n'a pas fait, non. Merde, on a ce qu'il faut, pas ce qu'il faut. Ah, on a du vivier. On commence à avoir du vivier. Après, soja 47, soja 46. Bon, maintenant, les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours, plaisir. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et ciao tout le monde.